Okay, hello all the reviewers, c'est ici. Bonjour à tous les commentateurs. Okay. Okay, today you get this jargon of mathematicians. So, fiber bundle, c'est quoi l'espace fibré? C'est très serré, il y a 22 points le monde entier. On décide aujourd'hui ce jargon des mathématiciens espace fibré. C'est quoi un espace fibré? Ok, fiber bundle. Our host today is a black cat, okay? And black cat and this one is, that's me, okay? C'est black cat. C'est ça ton nouveau nom? Ouais. C'est still a black cat. Alors on revient à la photo, c'est l'édition. Et le site aujourd'hui c'est anthropologic.com. Voyons si tu peux l'écrire ici. Écris anthropologic.com. Anthropologic.com. Ok, passe ici. Ok, c'est ça le site web. Donc, anthropologic.com, c'est un petit site web pour les mathématiques, okay, pour étudier les mathématiques. C'est une petite école, okay, pour étudier les mathématiques. Et dans cette petite école-là, okay, vous pouvez avoir ce petit programme, okay, cliquer dessus et avoir fait les mathématiques dans votre navigateur. Okay. Est-ce que tu as ton téléphone? Tu peux taper anthropologie, c'est accessible sur ton téléphone. Je peux leur montrer. Ok, là-dedans. Est-ce que ça se voit même? Ça se voit pas. Ok, mais tiens témoin, tu as accès par ton téléphone. Donc tu peux faire ces mathématiques sur ton téléphone. Ok. Ok, allons maintenant sur ce qui nous concerne aujourd'hui. Donc, ok. Alors, il faut qu'on joue à ce petit jeu. Tu dois deviner c'est quoi un espace fibré en allant sur Google. Ok. Donc, devine, c'est quoi fiber bundle? Tu préfères anglais ou français? Français. Donc, je dois écrire espace. Espace fibré, ok. Donc tape-le dans Google, vas-y. Essaye de deviner. Est-ce que tu peux lire? Vous augmentez le texte. Non, ça va. Ça va, tu peux lire. En espace fibré. Ok, laisse-moi augmenter le texte un peu. Ok, un espace fibré est un espace topologique. Localement, le produit de deux espaces. Ok, parle fort pour pas t'entendre un peu. Parle plus haut, on va plus haut. Ok, donc en mathématiques, un espace fibré est intuitivement un espace topologique qui est localement le produit de deux espaces appelés la base et la fibre. Ok, est-ce que ça te dit quelque chose? Non? Rien du tout. Ok, la base et la fibre. Une base et une fibre. C'est quoi une fibre? Ok, peut-être il faut qu'on commence avec. Essaye de taper. C'est quoi une fibre? Une fibre. Ouais, une fibre c'est en anglais là. Fibre et fibre c'est français et anglais. Donc ici on dit que c'est un disert. Donc on peut dire quelque chose comme ça. Qu'on disert. Qu'on ne disert pas. Un disert super. Ça veut dire qu'on ne peut pas digérer. C'est-à-dire que tu manges et ça sort. Ça sort. On ne digère pas. Ok, c'est quoi un exemple de fibre? Okay, donne-moi un exemple. Il y a les haricots qu'on ne digère pas. Les haricots ne digèrent pas.
aussi est touché, okay. Comme de nombreuses personnes. Tu ne disais pas là, comment tu sais? Ok, c'est ça, tu peux nommer les haricots, les carottes, ok. Que ce soit, on ne disait pas. On mange et ça sort direct. Ok. So, fiber. Ok. On a une petite réponse. Et qu'est-ce qu'on dit de bundle? Bundle, qu'est-ce que ça veut dire bundle? Bundle, ça veut dire un paquet. Lorsque tu portes le bois, tu portes le bois en paquet, un paquet de bois. Donc, tu as un bundle. Ok, ça c'est une bonne image ici. Un bundle. C'est-à-dire, tu as un paquet de fibres. Qu'est-ce que ça veut dire? Un espace fibré. Un espace de fibres. Comme on prend le bundle, c'est-à-dire qu'on stocke tout. On stocke tout, les fibres. On stocke les fibres. Mais qu'est-ce que ça va avec les mathématiques? Stocker les fibres. Peut-être si tu descends un peu, ok, descends un peu dans bundle. Bundle, ça veut dire un paquet de trucs. Tu vois, ce paquet de stylos. Ce paquet de stylos, un paquet. Un paquet. Ok. Essayons maintenant de chercher fiber bundle. Ok. Ou espace fibré. Anglais, c'est fiber bundle. Français, c'est espace fibré. Oh, imagine, regarde ça. Oh my god. Un espace fibré. Tu vois ces petites fibres ici? Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est quelque chose où on stocke tout. Bien que, bon, comme on a dit que c'est la base. Ok, la base. Devine, c'est quoi la base ici? Okay. C'est là. La base, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, ça, on nous dit que la base, c'est ce qui est ici. Oui, et c'est okay. Ça. Tu as raison. La base, c'est cette partie-ci. Et les fibres, c'est cette partie-ci. Ouais. Ok, cette partie-ci. So, fiber bundle. So, la base et les fibres. Hein, intéressant. Même ici, là, ce petit câble-ci, tu vois, tu as la base et tu as les fibres. Ok? Même ici, tu as la base et les fibres. Ensemble. You win! Intéressant. Un fardeau de fibres. Un fardeau de haricots. Les trucs qu'on ne digère pas, les haricots. Ok. Ah, tu vois, c'est plus quelque chose, ce truc-ci. Ça et ça. Mais là, attends. Ça. C'est la base, là. Devine, c'est quoi la base? La base, c'est cette partie-ci. Et la fibre, c'est cette partie-ci, verticale. La base est horizontale, la fibre est verticale. Donc tu as une base, tu as une fibre. Tu vois un peu cette différence ici. Si tu as une base, c'est une fibre. Tu as une base, mais tu as une fibre qui se tord. Okay. Ici, la fibre se tord un peu. Okay. Donc tu vois, localement, si tu regardes précisément juste sur un point, c'est la même chose. Okay? Ici ou ici, c'est la même chose. Mais globalement, si tu regardes d'un point de vue global, c'est pas la même chose. Okay? C'est ça l'idée. Je crois que tu es sur la bonne direction. Okay? Mais maintenant, essayons de voir la définition précise. Okay? Donc, si vous voulez voir la réponse, vous allez à cette adresse. Okay? Donc vous allez à cette adresse, yeah. Fiber Bundle, okay. Et vous avez la définition précise. Okay. Un espace fibré, c'est ceci. Tout se résume à ceci. Okay. Donc, tu as une flèche qui descend, mais tu ne lis pas la flèche comme ça. Tu lis la flèche
à l'envers. Ok. Attends, j'essaie de te donner un exemple ici. Ok, vector bundle. Ça, c'est un exemple de fiber bundle. Ok. Peut-être qu'ils ont des exemples. Ok. Ça, c'est ce qu'on a vu. Tu vois, localement. Localement, ça veut dire ce petit carré ici. Ok. Localement, ça veut dire ce petit carré ici. Localement, c'est la même chose. Tu vois ce petit carré, ce petit carré. Localement, c'est la même chose. Mais globalement, c'est différent. Ok, prochainement, on va voir quelque chose qui a un rapport. Ok, avec le fiber bundle. Pour que tu comprennes bien, c'est ce qu'on appelle le type dépendant. Ok. Donc, tu vois par exemple cette flèche ici. Ça, c'est pour le prochain épisode. Okay. Cette flèche qui descend, tu vois, la flèche te dit va du. La flèche te dit va de A à X. Tu pars du haut en bas. Mais la façon de le lire, c'est en fait tu pars du bas vers le haut. Vers le haut. Ça, c'est la base. Et tu cherches tout ce qui en haut va vers le vers la base. Ok. Donc là. Ok. So thank you. Non, c'est black card. Black card. Thank you. Black card for the translation. Ok. Alors, on se voit à la prochaine vidéo pour type dépendant. C'est quoi un type dépendant? Un type dépendant, c'est quoi un type dépendant qui dépend? Essaye de deviner pour la prochaine vidéo. Un type dépendant. Ok. Ça veut dire quoi un type dépendant? Ok. Prochaine vidéo. Next vidéo. Yeah. Un type dépendant, c'est pas un type dépendant. Ok, la prochaine vidéo, tu dis c'est pas ton opinion. Un type dépendant. Mais j'ai une idée, c'est un gigolo, ok. Ok, arrêtons là pour l'instant.